تكشبيل عطيوني ونا ما قتلوني محياوني غير الكاس اللي عطاوني الحرامي ما يموتشي جات خبرو في الكوتشي الله كابوتشينو كابوتشينات جيسبر كو فوز علي بيان اون سو روتروف اوردي بور اون نوفيل فيديو اون نوفيل ستوري تايم. Sorcellerie! Yeah! Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Bon, je boudais, mais là, je boude plus, mais je veux pas rebouder. Hein. Pourquoi j'avais boudé? Pourquoi j'ai fait du boudin? Parce que, franchement, regardez, je fais des efforts même capillaires. Je suis la plus folle de YouTube. Enfin, l'une des plus folles de YouTube. Qui s'assume, qui se kiffe, qui vous kiffe et qui fait tout pour vous faire plaisir. Mais franchement, il y en a, ils me le rendent vraiment tristement. Là, j'étais en mode bouderie, donc je boudais. Pourquoi? Parce que je vois que les likes, ça ne suit pas. Et franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, ça me met plein de ouss-ouss et de doutes dans ma tête. Parce que je vois le nombre de vues, alhamdoulilah, Dieu merci, qui est quand même conséquent, qui est très bien, qui me satisfait, m'en fous, qui me satisfait pleinement. Et quand je vois les likes, bah après, je doute. Voilà, je doute parce que je ne sais pas en gros ce que ça veut dire. Si, est-ce que les gens, ils n'ont pas aimé? Si j'ai juste un oubli de leur part? Si c'est volontaire qu'ils ne veulent pas liker? Je ne sais pas. Et donc, quand je vois quand même qu'il y a des likes, bah ça m'encourage et je me dis, alhamdoulilah, ils ont aimé. Et pour vous, enfin, moi, dans mon cerveau, je l'interprète comment, pardon, le like, je l'interprète comme un merci, comme si vous me remerciez, quoi. Genre parce que vous avez passé un bon moment et tout ça. Donc voilà, hein, mais je peux rebouder. Hein. Ah là, je me peux rebouder bien même. Donc s'il vous plaît, un minimum, juste ça. Et il y en a, ils m'ont dit, ils like, enfin, il y en a, ils ont assumé et hey, je vous applaudis. Genre qu'ils ont toujours regardé les vidéos et tout, mais qu'ils n'ont jamais liké parce qu'ils oubliaient. Ou sinon parce qu'ils regardent sur leur téléviseur et ne savent pas comment faire. En fait, tu peux, t'appuies genre sur, ça dépend de votre télécommande, t'appuies sur la flèche du haut. Et après, tu auras le pouce comme ça, il faut monter encore une fois en plus. Et après, tu vas à droite, encore à droite. Et après, c'est j'aime. Et après, il faut appuyer, ok. La forceuse, je sais, mais j'assume. Et en plus, ça va arrêter de me mettre des doutes dans ma tête. Et je sais qu'il y en a, quand ils voient, ils disent, ah, ben, elle n'a pas de like, donc vas-y, on ne regarde pas. Mais prouverez-leur le contraire, s'il vous plaît, ma communauté. Je sais que vous pouvez le faire. Voilà, moi, je vous demande que ça. Moi, je sais c'est quoi mon rôle. Mon rôle, c'est de vous ramener des histoires, de vous les raconter, d'authentifier ces histoires, etc., etc. Et de vous faire passer un moment soit flip, soit un moment émotion avec les HDV, soit vous ramener une histoire de crime que vous n'allez entendre nulle part ailleurs que sur ma chaîne, etc. Voilà, c'est ça mon rôle. Mais votre rôle à vous, et s'il vous plaît, c'est eh bien, de m'aider à briller encore plus et à grimper encore plus et à atteindre des gens encore plus en faisant juste une petite manœuvre d'un like. Et je vous jure que le like n'est pas payant. C'est juste le fait que la vidéo, alhamdoulilah, va monter. Voilà. Donc, j'avais dit, Zahma, je vais quitter YouTube pendant un moment. Nanana, j'ai fait une drama queen. Je me connais, je suis comme ça, c'est ma vie. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je suis célibataire. Je suis célibataire parce que je suis trop une drama queen en fait. Mais en fait, moi, j'arrive pas à bouder longtemps parce que je suis trop solaire. Bon, ça y est, j'ai fini. Inch'Allah, eh ben, peut-être pour certains de vous saouler, peut-être pour d'autres de leur remémorer juste de liker, peut-être pour d'autres vont dire, ouais, mais Skina, elle mendie. Parle bien, t'entends? Non, je rigole, dites ce que vous voulez, c'est pas grave. Tant que c'est pas blessant et dénigrant, même pas moi ou ma personne, mais juste mon travail, alhamdoulilah, ça me satisfait. Donc maintenant qu'une fois qu'on a réglé les choses et qu'on a passé binou binkoum entre vous et moi un contrat, inshallah, et ben maintenant je vais vous laisser vous préparer votre petit snack parce que l'histoire là de sorcellerie que je vous ramène, c'est vraiment la phrase kametoudin touden. Ce que tu fais aux autres, et ben un jour ça va sortir sur toi, tu vas le regretter quoi. Surtout quand c'est du charme, surtout quand c'est du mal. Donc posez-vous bien.
Et écoutez bien cette histoire qui peut être vraiment une leçon à Ibra et qui va en réveiller plus d'un et une. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas commencer la phrase sans la team juste après. Vous êtes prêts ou pas? Donc, une fois que vous êtes posé bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières, mets vos écouteurs et fait tout ce que vous faites lorsque vous devez regarder l'une de nos vidéos, eh bien, les autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Une nouvelle fois, je vous invite à mettre vos likes dès maintenant afin de ne pas oublier celui-ci lorsque la vidéo sera terminée. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, eh bien, je vous emmène. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, Inch'Allah, eh bien, au Yémen. Celui qui a vécu, eh bien, cette story time sorcellerie très choquante, vous allez le voir, s'appelle Hamid. Mais vous allez comprendre au fil et à mesure de l'histoire que celui qui nous raconte, eh bien, cette story time sorcellerie, ce n'est pas Hamid. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est quelqu'un d'autre que vous n'aurez jamais pensé et bien qu'il aurait parlé au fil et à mesure de cette story time sorcière. Donc, il faut savoir que Hamid, il habite, comme je vous ai dit, au Yémen et qu'il avait eu une maison en héritage. En fait, son père, il avait... Donc, le père de Hamid, il avait hérité du grand-père de Hamid. Et en fait, il se l'a passé comme ça, la maison. Et donc, à la mort du père de Hamid, bah, Hamid, il a hérité de celle-ci. Et c'était une maison tout à fait, on va dire, banale, mais emplie à l'intérieur d'un amour vraiment magnifique. Donc, en fait, Hamid, il a hérité, eh bien, de cette maison et il s'est marié à l'intérieur, eh bien, de celle-ci. Donc, il a trouvé la femme de sa vie. C'était une fille de bonne famille. Elle était très amoureuse de lui. Hamid, pareil. Et à l'intérieur de ce foyer-là, ils vont concrétiser très vite, eh bien, une famille. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, alhamdoulilah, pour eux, et mashallah, trois enfants. Et Hamid, il vivait très bien avec sa femme, elle s'occupait très bien de lui, elle s'occupait très bien du foyer, elle s'occupait très bien des enfants. Et Hamid, lui, travaillait à l'extérieur, même s'il n'avait pas un métier qui lui rapportait une paye de ouf. Ce qu'ils ont fait, qan'in, ça veut dire qu'ils étaient satisfaits de ce que Dieu, en fait, leur croyait comme subsistance. Et alhamdoulilah, il vivait très bien de ça et tout était bien. On peut dire vraiment eh bien, qu'il vivait la vie en rose et qu'il savait dire alhamdoulilah. Donc, cette maison, elle était composée, eh bien, d'un petit jardin et elle était sur deux étages. Et elle est assez quand même ancienne. Je vous ai dit que le grand-père, déjà, il l'avait bâti et il avait vécu dedans. Ensuite, c'était Hamid avec son père, etc. Et là, c'était Hamid lui-même avec ses propres enfants. Donc, la maison, quand même, elle est pas mal en âge âgé. Mais voilà, alhamdoulilah, au moins, ils ont un toit, on va dire, sur leur tête. Et Hamid, il n'a pas les moyens, on va dire, de la repeindre ou de plus la moderniser. Et il va se passer quoi? Il va se passer qu'avec les années, bah là où la maison du grand-père, elle est, et qui est la maison de Hamid, eh bien, ça va prendre de la valeur. Il y a plein de gens, ils vont vendre leur maison parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui vont leur proposer des trucs de ouf. Et en fait, ils bâtissent des villas magnifiques et tout. Et c'est bah, que des gros portefeuilles qui viennent s'installer dans le quartier eh bien, de Hamid. Une information très importante parce que ça me ferait mal au cœur d'oublier de la dire pour vous montrer en fait comment Hamid, il avait bon cœur et comment Hamid, surtout, il était que sur le chemin de la droiture. Il voulait pas en fait acquérir de l'argent facile. Eh ben, il prenait une bâche, une petite bâche, et il allait, par exemple, comme les trucs où on vend les vêtements bradés, à petit prix, il en achetait, et il prenait cette bâche-là, et il allait dans la rue, dans les marchés, il posait les vêtements, et il vendait ça, le pauvre. Et ce que ça lui rapportait, il disait, alhamdoulilah, au moins je fais ta'am, ça veut dire je fais manger ma famille, avec de l'argent propre et halal.
Alors que voilà, c'est facile si on veut dévier, avoir vite de l'argent, partir voilà, dans le côté obscur, dans le haram et tout, c'est totalement facile à la portée de tous. Mais Hamid, il n'est pas de ces gens-là, il n'est pas de ces hommes-là. Il refuse de nourrir sa femme et ses enfants et lui-même avec ça. Donc je vous ai dit, son quartier a pris de la valeur. Donc il y en avait, ils achetaient des terrains, ils construisaient des villas de ouf. Des autres promoteurs immobiliers, ils faisaient des projets de résidence surveillée, design, dernier cri et tout. Et au milieu de tout ça, abat à la maison de Hamid, qui, pour parler voilà, entre nous, genre qui pète pas de mine, quoi, qui fait tâche même, qui gêne ces gens. Ces gens-là, ils veulent pas que, voilà, dans leur beau quartier, propre à la maison de Hamid, pour eux, voilà, selon leur vision, eh bien, qui veut rien dire. Genre, en gros, cette maison n'a rien à faire là, alors que c'est Hamid, c'est la troisième génération, s'il vous plaît. Donc, pour Hamid, lui, bon, il regarde, il voit ses maisons, ses immeubles, il aimerait bien lui aussi offrir ça à sa famille, mais il n'a pas les moyens et il n'a pas la possibilité. Donc lui, il continue à vivre sa vie normalement. Mais il ne savait pas Hamid Miskin qu'il en dérangeait plus qu'un et surtout un. Donc les promoteurs immobiliers, ils ont commencé à faire quoi ? Ils ont commencé en fait à rentrer en contact avec Hamid, à aller directement toquer à sa porte. Hamid, il ouvre, il sort. Salam, salam. Oui, je peux vous aider en quoi ? Alors nous sommes promoteurs immobiliers et nous vous proposons un chèque. À la Bayad, même un chèque blanc, c'est toi qui écris le prix que tu veux pour le terrain et pour la maison, parce que nous, voilà, on a pour projet de construire ça, ça, ça. Donc Hamid, il le regarde en mode, mais pardon, mais alors là, reprenez votre chèque, reprenez votre argent, je ne vendrai jamais ma maison. Ça, c'est la maison que j'ai héritée de mon grand-père, de mon père. C'est la maison dans laquelle j'ai vécu toute ma vie, toute mon enfance. J'ai tous mes dikrayettes, si j'ai tous mes souvenirs. Et je veux que mes propres enfants, eh bien, vivent dans la maison de mon enfance, là où j'ai vécu, qu'ils se créent aussi des souvenirs et que je leur laisse à mon tour après ma mort, eh bien, cette maison, okay, voilà, ça continue. Que ce soit Zema, eh bien, un héritage perpétuel. Donc, les promoteurs, ils partaient, ils revenaient, et à un moment donné, ils vont un peu s'essouffler, ils vont voir qu'en fait, Hamid, il s'en fout de l'argent, lui. Hamid, il a dit, lui, cette vie, il s'en fiche, hein, tant qu'il a un toit sur la tête, et qu'il peut nourrir sa famille avec de l'argent propre, de l'argent halal, et qu'il soit en bonne santé. Voilà, il s'en fout, lui, il vise la vie d'après, il ne vise pas ici, il leur a dit clairement. Et donc, ils ont vu qu'ils ne vont pas l'avoir en décaînant leurs millions, leurs milliards, leurs chéquiers et tout ça. Donc, ils ont commencé à plus trop venir le saouler. Et lui, il continue sa vie à dire normalement. Quand un jour, il va se lever et il va voir que le terrain d'à côté, il a été vendu et qu'il a été acquéri par un grand mec fortuné et tout. Et qu'il était en train d'y bâtir une énorme et magnifique villa. Et Hamid, il a 3 enfants. Donc, j'ai plus les prénoms en tête, j'ai que les âges. Donc, le plus grand, il avait 12 ans. Le deuxième, il a 8 ans. Et le dernier, il a 6 ans. Donc, quand la villa d'à côté, elle a fini d'être construite et que les nouveaux propriétaires, et que ce nouveau propriétaire fortuné, là, est venu s'installer dans la maison, le mec, en fait, quand il rentrait dans le balcon et qu'il voyait de l'autre côté du mur la maison de Hamid, il était énervé. Pour lui, ça lui gâchait la vue. Comment Zema, une maison d'un mec comme ça pour lui, genre en gros, hein, genre misérable, minable, qui est pauvre, comment il peut habiter à côté de moi? C'était clairement ça le mec. Il supportait pas. On dirait qu'il a un problème contre les pauvres, ou il n'aime pas, je sais pas, il était malade ce mec. Donc, c'est pas le pire dans l'affaire. C'est qu'il va se permettre de faire quelque chose qui va vraiment faire mal au cœur à Hamid. Donc, cette chose que ce mec, parce que genre il a de l'argent, il va se permettre de faire, c'est quoi? C'est qu'il va grappiller des morceaux de terrain sur le terrain de Hamid. Miskin. Donc, Hamid, il va s'en rendre compte, il est pas bête. Donc, Miskin, il va partir, il va frapper à cette maison. Déjà, il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, tout ça, pour l'atteindre, c'est quelque chose. Et en plus, il a un service de sécurité. Et donc, quand il arrive en face, c'est bien du mec fortuné, Hamid Miskin, tu vois, il se démonte pas quand même. Il dit, voilà, moi je viens, je suis ton voisin d'à côté. Vous avez grappillé, je sais pas si c'est par erreur et tout. Tu vois, au début, il est diplomate, tu vois, sur mon terrain. Et voilà, ça va, c'est pas bon.
Et donc là, le Hamid, il s'attendait pas à la réaction que le mec fortuné va avoir envers lui, en mode, écoute-moi bien, espèce de clochard, tu vas prendre ta femme et tes enfants et tu vas aller te construire un nid. Il lui a même pas dit bête, genre une autre maison ou tu vas avoir un appartement, bref. Il lui a dit un nid et en gros, tu vas dégager de là parce qu'en fait, toi et ta famille, ta maison, surtout là, vous me gâchez la vue. Voilà, c'est bon, ça y est, nous, dans le quartier, on ne désire pas avoir des gens comme vous. Donc Hamid dit, pardon, mais ça fait 3 générations qu'on est ici et je ne compte aller nulle part et ma maison, je ne la mets pas en vente et je resterai toujours là. Donc en gros, il va falloir bien t'habituer à ma tête, à la tête de ma femme et à la tête de mes 3 enfants. Donc de là, Hamid, Miskin, il est parti parce que le mec, en gros, lui dit, en mode, tu pourras rien contre moi. Genre, on n'est pas du même monde, tu sais pas qui je suis. Toi, tu seras toujours microbe, tu seras toujours petit. Moi, je suis. Ok. Donc, Miskin Hamid, il l'a mis dans son cœur et il est parti. Et quand même, à chaque fois qu'il le voyait, il lui disait, voilà, il faut qu'on règle et tout. Et à chaque fois, bah, il voyait qu'il le méprisait, il le prenait de haut. Et il se la pétait surtout aussi, le mec, parce qu'il avait de la sécu avec lui. Et voilà, donc il savait que Hamid, ça reste quand même un mec, tu vois, ça reste un homme. Et il va pas oser, bah, parce que c'est perdu d'avance, quoi. Avant de l'atteindre, miskin, il sera au sol en 2 secondes. Donc, quand il a vu qu'en parlant, en étant gentil, en ayant essayé, le mec il veut pas faire d'effort, il veut pas retourner ce qu'il avait mis hors de son la propriété, c'est quand même une propriété de Hamid, Hamid il a pris les choses en main. Et tout simplement, il est parti à la justice. Il a porté comme une plainte et tout. En gros, voilà, ce voisin, il est venu s'installer. Il veut me haggar, il veut me faire de l'intimidation parce que Zahma, il est un tel, un tel, un tel. Et s'est permis de truquer, grappiller dans mon jardin. Hamid, alhamdoulilah, puisque c'est une personne qui est bien, c'est une personne qui est pieuse, c'est une personne, son grand-père, il lui faisait des bonnes invocations pour qu'il ait une bonne vie, son père, pareil, il a jamais fait du mal à personne et tout. Alhamdoulilah, il a trouvé un bon avocat. Et le bon avocat, il demandait des honoraires quand même assez serres. Mais quand il a vu l'histoire de Hamid et comment en vérité il était Hamid, l'avocat, même s'il aurait voulu, il aurait pu travailler gratuit. Il lui a demandé qu'une petite somme et c'était un avocat fort. Donc, il a bien pris l'affaire en main, cet avocat. Et il a tout montré au tribunal, à l'audience, au juge, au juré, comme quoi, voilà, ce mec, la fortuné, ce qu'il permet de faire, parce que Zahma, il dit qu'il est haut placé, il dit que si, il a bâti ce mur qui grappille aussi dans la propriété, eh bien, de mon client, Hamid, il lui a fait du chantage et tout, et il veut pas l'enlever. Donc, Hamid, il a ramené toutes les preuves. Il a ramené toutes les preuves comme quoi il était bien sur son terrain, les papiers de tout ce qui est enregistré et tout. Moi, je sais dire qu'en arabe, le milkiya et tout ça. Bref, il a tout ramené. Et donc, c'est wadah, tu vois. Tu peux pas jouer l'aveugle là. Tout est clair, tout est. C'est Hamid qui a raison et le mec à 15 000%, il a tort. Donc, le juge, très vite, il a jugé cette affaire en disant, déjà. Au fortuné, tu vas dégager ton mur, tu vas le détruire. Mais en plus, tu vas payer des dommages et intérêts pour tout ce que tu as fait subir à ce pauvre monsieur. Donc, la somme, elle n'a pas été notifiée de combien l'homme fortuné a donné à Hamid. Mais quoi qu'il, alhamdoulilah, c'est Hamid qui a gagné ce procès. Donc, il avait maintenant, à partir de ce jour-là, le voisin, une haine contre Hamid et contre sa famille. Donc, le chir, après ce procès, je vous ai dit, il avait trop le seum contre Hamid et sa famille, mais surtout contre Hamid. Donc, pour lui, il disait vraiment, là, je me suis fait marcher dessus par ce petit clochard-là, par ce vieux mec. Non, moi, un tel fortuné, argent, tout ce que je veux et tout, moi, un mec comme ça, genre, en gros, il m'a mis à terre. Il n'est pas prêt ce que je vais lui faire, je vais lui faire vivre un véritable enfer. Et tout le mal qu'il va mettre possible de lui faire, même s'il faut que je paye pour ça, eh ben je vais le faire. Et genre, en gros, je vais lui faire regretter d'avoir voulu se mesurer à moi. Et je vais bien lui laisser un souvenir de mon passage dans sa vie. Donc, le mec fortuné, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à lancer des rumeurs comme quoi la maison de Hamid, elle est habitée par des djinns, par des démons,
par des esprits, par des ci, par des ça, mais pas que la maison. Il a commencé même à dire, ouais, la femme de Hamid, elle est habitée aussi par des djinns. Elle a des djinns, on entend des bruits, c'est juste bizarre, on entend des cris. La femme, elle n'est pas normale, ses enfants, ils ne sont pas normaux, nanana. Bref, il commençait vraiment à aller loin et à lancer ses rumeurs. Et vous savez très bien que les gens, bah, quelqu'un comme lui, j'aime pas de sa posture. Ouais, j'aime pas trop, comment dire, comme les politiques là. Tu sais, quand ils parlent, il y en a, ils arrivent à envoûter. Et ben, les gens, ils se sont laissés entourlouper. Ils ont commencé à croire, et ben, vraiment, que Hamid, sa maison, elle a habité, que sa femme, elle a habité, que les enfants aussi, ils ont des trucs qui sont pas, voilà, normal et tout. Et ça commençait vraiment à aller loin. Et donc, c'est resté comme ça, la situation entre eux, déjà des problèmes de voisinage, et surtout que les gens aussi y parlaient bah, de Hamid et sa famille, de sa maison, voilà, soi-disant habitée et tout. Et là, les jours ils passent, les mois ils passent, et un matin, très tôt, eh bien, tout le quartier va être réveillé par les cris de la femme de Hamid. Et donc, tous les gens, le voisinage, ils sont sortis dehors et ils ont été choqués de ce qu'ils voyaient. Pourquoi ils ont été choqués? Ça fait trop mal au cœur. Puisque tous les voisins, quand ils sont arrivés, eh ben, devant la maison de Hamid, elle était en train de partir en fumée. Il y avait du feu de partout. La maison est en train de brûler devant eux. Donc la femme criait, hurlait, pleurait. Hamid, il était en mode choqué. Il n'y avait que les larmes qui coulaient et il soutenait sa femme. Mais là, c'est bizarre. Je vous dis que Hamid et sa femme, puisque malheureusement, eh bien, ces trois garçons, ces trois enfants étaient à l'intérieur de la maison. Paix à leur âme. L'ayrhamhum. Donc de là, très vite, les gens ont prévenu les pompiers, la police, etc. Donc ils arrivent sur place. Donc les pompiers, une fois qu'ils ont réussi à éteindre le feu, il y avait les experts et tout, pour, qui ont pris des empreintes, qui faisaient leur petite enquête, pour savoir et déterminer le départ de feu, il est parti d'où. Mais là, cappuccino, cappuccinette, dites-vous que malgré tout ce qu'ils ont fait, les experts, ils n'ont pas réussi à trouver, à déterminer c'est quoi en fait qui a oulé un nar, c'est quoi qui a allumé ce feu-là. Ils n'ont pas réussi à comprendre. Pour de là, on retrouve Hamid à l'hôpital. Donc ce qui s'est passé, mes cappuccino, cappuccinette, c'est que en fait la femme, c'est-à-dire qu'elle était tellement choquée et sous le choc qu'elle est tombée directement, la pauvre, dans le coma. Les policiers, quand même, ils ont posé quelques petites questions, mais vraiment de manière très, très, très fine. Eh bien, à Hamid, parce que voilà, il savait qu'il était trop triste, qu'il n'avait pas la force et la capacité de parler, d'expliquer et tout ça. Et donc, il y a eu l'enterrement des enfants, eh bien, de Hamid, les pauvres, les trois. C'était horrible. Et une semaine après ça, la femme est toujours dans le coma. Une semaine après ça, les policiers vont se rendre quand même chez Hamid parce qu'il s'était réinstallé, le pauvre. Il avait nulle part où aller dans la maison. Et ils vont lui poser bah, des questions puisqu'ils ont préféré attendre qu'une semaine passe, le temps le pauvre qui digère un peu, même si voilà, t'oublies, c'est trop frais encore, et ben la situation de sa femme et surtout la perte de ses trois enfants. Donc Hamid, il parle aux policiers et il leur dit, un jour avant bah, le terrible jour de l'incendie, là où j'ai perdu mes enfants, et bien on était tous installés au salon et nous étions en train de dîner. Quand, tout d'un coup, je me suis rendu compte que de la fumée, que du feu sortait du côté de la salle de bain, Hachakoum. Donc de là, il a dit qu'il s'est levé, direction la salle de bain, pour voir en fait, il se passait quoi. Il dit, quand il a ouvert la salle de bain, il y avait quelques flammes, il est en panique, il n'a pas compris. Il a demandé à sa femme de lui ramener vite une couverture pour étouffer le feu et éteindre ça. Une fois que c'était fait, il a dit, il a cherché, il a regardé partout, Zahma, pour savoir si c'était pas peut-être l'électricité, s'il n'y avait pas eu quelque chose de bizarre en fait qui aurait pu déclencher cet incendie. Mais il dit que le plus bizarre dans tout ça, c'est que, walou, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en fait qui montre et qui va t'expliquer, ah ouais, c'est logique, c'est à cause de ça que ça s'est allumé. Il n'y avait rien du tout. Donc, ils sont restés comme ça, dans la compréhension. Hamdoulaye, il s'est dit que, voilà, il s'est rendu compte. Et donc, il a dit, on est parti dormir normalement.
Chacun est parti se coucher. Moi et ma femme dans la chambre et mes enfants, les trois ensemble dans leur chambre. Et donc, le jour où la catastrophe va se passer, il dit que c'était un jour comme d'habitude. Il a dîné avec sa petite famille, alhamdoulilah, ils ont rigolé, ils ont parlé et tout. Et voilà, l'heure du coucher est arrivée. Donc il a dit, ces trois garçons, ils sont partis dormir comme à leur habitude dans leur chambre. Et lui, il est parti avec sa femme, alhamdoulilah, dans sa chambre. Et il dit, au milieu de la nuit, il va être réveillé par les cris de ces garçons. Et quand il s'est levé avec sa femme, ils ont été choqués puisqu'ils ont vu des flammes genre sortir de la chambre des enfants. Donc il a dit, il a été tellement choqué qu'ils ont couru, qu'ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais il a dit, je ne sais pas s'il y a eu trop d'air ou s'il y avait un problème et tout, la porte elle était coincée. Et il entendait, il dit avec sa femme, les cris des enfants qui les appelaient, papa, maman, sauvez-nous, aidez-nous et tout ça. Mais eux, ils poussent les pauvres, les parents, ils poussent de toute leur force, mais rien. Tout qui dit Hamid, il est là avec sa femme qui pleure, qui crie, qui pousse elle aussi. Ils entendent leurs enfants, c'est horrible. Et il a dit, il pousse, et à un moment, alhamdoulilah, il a réussi à défoncer cette porte. Sauf que quand il a réussi à défoncer cette porte, eh ben, c'était trop tard, puisque ces trois garçons étaient morts, et jusqu'à même, il y en a, ils avaient des flammes sur eux, quoi. Voilà, horrible, Allah yarhamhum, paix à leur âme. Il a dit, il a essayé de les tirer et tout, mais c'était foutu. Il a dit, donc, il y avait des choses qui commençaient à s'effondrer. Donc, voilà, il a tiré sa femme. Sa femme, elle voulait prendre ses enfants, je commençais à avoir des larmes et tout. Mais c'était un moment horrible. Donc, il a dit, il a sorti sa femme et voilà ce qui s'est passé. Et il dit, en gros, voilà, j'ai perdu mes trois garçons. Ma femme, elle est à l'hôpital, dans le coma. Et moi, je suis là, j'ai tout perdu. Donc, cappuccino, cappuccinette, Hamid Miskin, il va devenir comme un fou. Un fou de tristesse, de la peur de ses enfants, de la situation de sa femme. Tous les gens de sa ville, il habitait à Taiz. Tous les gens de Taiz, ta'atfo, ça veut dire qu'ils ont tous eu mal au cœur pour lui. Ça, tu sais, la nouvelle, elle était partie très loin. Et les gens, ils avaient tous mal au cœur. Tous ceux qui ont entendu voilà, l'histoire de Hamid, comment il a perdu ses enfants, la situation de sa femme, sa situation à lui et tout. Ils ont tous eu mal au cœur. Ils ont tous essayé de apporter au maximum du soutien. Deux semaines après cette catastrophe, la femme de Hamid, elle va sortir de l'hôpital, mais elle sort vraiment triste. C'est plus du tout elle-même. C'est plus du tout la femme qu'elle était, heureuse, mère de famille. C'était plus elle. Donc, la femme, c'est même pas fini encore le pire du pire. Elle va rester trois jours dans la maison, comme je vous ai dit, après sa sortie de l'hôpital, extrêmement triste, extrêmement refermée sur elle-même. Dans tous les coins, elle voit ses enfants dans la maison, elle a l'impression de les entendre l'appeler et tout. Et à un moment donné, elle va s'évanouir, quoi. C'était plus fort qu'elle. Donc, quand elle s'est sentie mal, elle s'est évanouie, Hamid, il l'a pris et la ramène à l'hôpital. Et là, mauvaise nouvelle. Les médecins, ils vont sortir chez Hamid et ils vont le dire tellement avec la tristesse et le choc. Elle a déclenché une forme de diabète grave et ce diabète-là, ça l'a directement attaqué à ses yeux. Et donc, sa femme, elle a perdu la vue. Vous imaginez, c'est parti crescendo, miskin pour Hamid dans les malheurs. Et c'était que des épreuves, en épreuve et c'est même pas encore fini. Donc, miskina, c'était un choc et c'est dur. Et on peut pas se mettre à la place de ces gens-là qui... toi, genre toute ta vie t'as vu et du jour au lendemain tu vois plus rien. Et donc elle était triste et elle va se laisser comme mourir, on va dire. Et elle va tellement être malade et plein de choses vont rentrer en compte, d'autres maladies, d'autres choses. Et aussi dans le psychologique, avec la tristesse de la perte de ses enfants. Et bien qu'elle va être taïhat al firash, ça veut dire en gros, elle va rester que alitée. Et que Hamid, ça va devenir ses yeux. Pardon. Excusez-moi. Donc Hamid, je vous disais, ça va devenir pour sa femme ses yeux,
ses oreilles, c'est lui qui va s'occuper d'elle, qui va lui faire les toilettes, c'est lui qui va la ramener même au WC, c'est lui qui va tout faire pour sa femme, qui lui donne à manger, qui essaie de la faire rire, qui essaie de lui redonner le sourire, qui essaie de la combler d'amour, qui essaie de combler le vide un peu de ses garçons. Et tout ça en parlant que des garçons en positif, se rappelant les beaux souvenirs et tout ça et tout. Mais pour la femme, c'était une perte trop dure et trop lourde et trop conséquente. Et Hamid, ça, pour lui, il était conscient. Et lui aussi, il avait cette douleur que la mère, elle avait. Surtout que lui, c'était un papa poule, tu vois. Mais il fallait qu'un des deux dans le couple, il reste fort. Pour ne pas que les deux aient sombre. Puisque maintenant, ils n'avaient que eux. Donc, Hamid, maintenant, il avait cette routine avec sa femme. Il savait gérer la situation. Alhamdoulilah, ça l'a un peu renforcé. Il avait retrouvé un peu son esprit. Bien sûr, il n'a pas du tout oublié son malheur, la perte de ses enfants et tout. Mais il disait, alhamdoulilah, si c'était écrit, si c'était le miksab, si c'était ce que Dieu a voulu, alhamdoulilah, quoi. Et donc, un matin, il se lève et comme d'habitude, toujours sa femme avant lui, il sait qu'il doit lui faire le petit déjeuner, qu'elle doit boire des médicaments à une heure bien précise et tout. Donc il lui faisait petit déjeuner, ryog, oui, il lui préparait tout ce qu'elle aimait et tout. Et donc après, elle prend le plateau et il va dans la chambre chez sa femme et il la réveille pour lui donner des médicaments et le petit déjeuner. Et donc là, quand il est arrivé dans la chambre, il pose le plateau. Il a toujours un mot d'amour pour que sa femme, elle soit un peu de bonne humeur. Donc il lui disait les petits mots doux, les petits surnoms. Lève-toi, c'est le matin, genre ma douce, ma belle, ma si, ma ça. Et il voit que Mako Jawab, il n'y a pas de réponse de sa femme. Donc il s'approche de sa femme, un tel flana flana. Il a bouge, le miskin, il va voir très vite que, vous avez compris. Durant la nuit, que sa femme, Dieu, il a pris son âme, quoi, la pauvre. Oumat, elle était morte, elle était mise devant lui. C'était juste, son corps, mais la pauvre, elle était partie au ciel. Donc de là, il était tellement choqué. Ah non, là, il ne pouvait pas encore assumer un autre choc pareil. Il a hurlé un cri. Dites-vous qu'il est sorti, mais c'est même pas de ses tripes, je pense que c'est de son âme. C'est bien que ça a muté tout le voisinage. Ça a réveillé tout le quartier. Donc de là, les voisins, ils ont commencé à courir en direction de la maison de Hamid. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont suivi le bruit des pleurs de Hamid, de ses cris, de sa détresse, de son cœur déchiré. Et quand ils ont vu en fait qu'il pleurait sur le corps de sa femme, ils ont compris que elle était morte et c'était pour ça en fait qu'il était dans cet état-là. Donc les gens, ils étaient choqués, ils se disaient non mais attends, c'est une dinguerie. Il y a quelques mois de ça, il vient de perdre 3 enfants. Il s'est même pas remis de son deuil. Après, sa femme, il lui est arrivé cette épreuve. Et là, elle est morte. Mais genre en gros, ils avaient trop mal au cœur. Ils ont dit ouais, même si ton cœur c'est de la pierre, tu vas voir ça, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas te dire non, c'est pas possible, miskine, il est vraiment malchanceux, quoi. Donc, de là, ils ont commencé, les gens, à l'aider, à lui donner de la force, lui parler, lui dire de rester fort, que c'était Dieu qui avait choisi. Miskine, tu sais, faire en gros qu'il s'écroule pas à son tour, quoi. Donc, le pauvre, il est resté un peu fort. Et ils ont commencé à préparer les funérailles de sa défunte femme. Une fois que les funérailles étaient faites, son frère à lui, son grand frère, est venu. Et il a commencé lui aussi à le réconforter. Hamid était vraiment au plus mal et tout. Il n'avait que la photo de sa femme dans une main et la photo de ses enfants. Et il pleurait. Tous les gens qui étaient là, ils étaient choqués. Et son frère, il va lui dire, écoute, tu sais quoi? Moi, je ne veux plus que tu vives ici. Cette maison... En gros, ok, elle t'a donné du bonheur, elle nous a donné du bonheur, on a des souvenirs merveilleux, mais tous les événements de ces derniers mois, ça les a tous, volés. Là, il te reste ici que des mauvais souvenirs. Le frère qui lui dit, genre, vends-la ou laisse-la même, et viens, tu vas vivre avec moi. T'es mon frère, je ne veux pas t'abandonner dans cette situation et tout. Mais Hamid avait la tête baissée, il faisait comme ça. Genre en mode non,
quoi? Cette maison, je la quitte pas. Cette maison, je reste à l'intérieur de celle-ci. Et il avait la tête dure et il est resté dans cette maison. Et je sais pas, mais imaginez-vous cet homme seul, gentil, qui a pas trop les moyens, qui fait du mal à personne, qui cherchait juste à rester bien. Du jour au lendemain, tous les malheurs miskines qui lui sont tombés sur la tête. Ses enfants et sa femme. Et lui, il est tout seul dans cette maison. Il le disait à son frère. En gros, son frère, il revenait à la chercher à chaque fois. Vas-y, s'il te plaît, quitte cette maison. Viens avec moi. On va bien s'occuper de toi. Je vais bien m'occuper de toi et tout. Il disait, non, je peux pas. Je ne vais pas abandonner mes enfants. Je ne vais pas abandonner ma femme et tout. Donc, ça faisait trop mal au cœur. Et c'est comme si, en fait, Miskin, son psychologique, il avait été touché. Donc, les gens, ils ont commencé à penser à quoi ? Ils ont commencé, en fait, à reparler, s'il vous plaît, de ce que l'homme fortuné, eh bien, disait. Genre, en gros, ouais, cette maison, elle a habité cette maison-ci, cette maison-ça. Donc, les gens, là, ils ont cru encore plus. Ils ont dit, en gros, tous les malheurs qu'ils ont, c'est à cause des djinns, Aoudoubillah, qui sont dans cette maison, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas quitter et tout. Donc, ça lui a pris ses enfants, ça lui a pris sa femme. Et genre, maintenant, on attend, c'est quand ils vont le prendre lui aussi. Donc, Hamid, cappuccino, cappuccinette, il va vraiment devenir maintenant une personne, on va dire, fou. Il marche dehors, il parle tout seul, il rigole, il pleure, il est comme ça. Il prenait plus trop soin de lui avec ses vêtements. Il était vraiment miskin, très mal en point. Et donc les gens quand ils le voyaient, et ben encore plus, ils étaient sûrs que tous ces malheurs qu'il avait, c'était à cause et bien des démons. Des genoux et qu'il était possédé et que c'est pour ça qu'il était comme ça. Et les gens ils commençaient même à avoir peur. Genre, s'ils le voient dans un trottoir, ils vont aller dans le trottoir opposé. Personne ne voulait marcher à côté de lui et tout parce que maintenant il paniquait pour eux. C'est vrai, tous les malheurs, c'est à cause de la maison, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et puis un jour, il va arriver l'inimaginable de cette story time. Encore un autre choc. À midi, il était sorti de chez lui pour marcher et il parlait encore tout seul et il n'était plus lui-même, etc., etc. Et Miskin, il ne va pas faire attention et il va marcher et en même temps, bam, une voiture va le renverser, va l'écraser et notre Hamid n'est plus, eh bien, maintenant dans cette story time. Hamid nous a quittés, Hamid est mort, Allah yirhamou pas son âme. Et donc les gens, on leur a encore donné eh bien, de quoi parler. Les gens, ils ont dit, ah, ça, c'est les genoux, Abdoubillah, qui l'ont pris, tac, et qui l'ont mis devant la voiture pour le tuer, et c'est pour ça qu'il est mort. Donc là, les gens, ils étaient vraiment sûrs que la famille de Hamid et Hamid, ils ont été anéantis par les forces du mal à cause de leur maison. Maintenant, légalement, eh bien, la maison est revenue aux frères de Hamid. Et donc, le frère de Hamid, il va être un peu au courant de tout ce qui se dit autour de cette maison, de toutes les rumeurs qu'il y avait eu autour de la maison où il a lui-même fait son enfance et tout. Et il était choqué, quoi. Et il a voulu mettre en vente cette maison. Mais comme l'histoire avait pris de l'ampleur et que ça disait partout que cette maison, elle est grave blindée de choses maléfiques et occultes. Ah bah, quand tu vas la mettre en vente, les gens, quand ils vont savoir l'adresse, ils vont reconnaître la photo de la maison, bah, tout le monde va prendre chez Jean-Bas son coup et dire, ah non, non, mais je tente pas le coup, quoi. C'est pas la peine, cette maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Surtout que les gens, quand ils se racontent entre eux, bah, s'il y en a qui va rajouter du croustillant, ils rajoutent. Alors l'autre, quand il va rajouter du croustillant avec de la sauce piquante. Tout ça pour dire au final, eh ben, il va vraiment avoir du mal à se débarrasser de ce bien-là, vu que les gens ne sont pas du tout intéressés d'être en contact avec les possibles forces occultes, les possibles genoux, les possibles démons, eh ben, qui habitent les murs et les entrailles de cette maison. Surtout que, quand même, il y a eu 4 morts à l'intérieur de celle-ci et que les gens se posaient des questions sur ses décès. Donc le frère Hamid, quand il a vu que la maison, ça faisait quelques mois déjà,
elle était sur la vente, quoi, et qu'il n'avait pas de proposition et tout ça, ça l'a saoulé vite fait. Il est parti, il a acheté une chaîne, un cadenas, et il a bloqué la maison, il a fermé, et tac, il est parti. Mais là, vous n'êtes pas prêt, pas prêt. Mettez-moi mon petit like, s'il vous plaît. Et là, le frère, il a fermé, comme je vous l'ai dit, la maison. Là, on va faire un bond de 2 ans. 2 ans après, qui est intéressé, et vous allez voir depuis le départ en vérité, par l'achat de cette maison? Le voisin fortuné. Donc, il va aller voir un samsar, c'est-à-dire qu'il va aller voir un agent immobilier, et il va lui dire, écoute, va chez le frère de Hamid. Là, on est 2 ans après la mort de Hamid. Hein. Va chez le frère de Hamid et tu lui dis que je suis fort intéressé par l'achat de la maison de son frère. Et voilà, je suis intéressé. Donc, le samsar, l'agent immobilier, il était trop choqué, trop surpris. Genre en mode, lui, il ne vit pas dans notre planète, ou il ne vit pas avec nous, il n'a pas entendu tout ce qui se disait sur cette maison. Il veut vraiment, lui aussi, décimer sa famille, alors que cette maison, elle est remplie de choses. Alors, l'agent immobilier lui dit, mais vous êtes vraiment sérieux? Vous voulez vraiment acquérir ce bien, alors que toutes les histoires qui rôdent autour de cette maison, et surtout, je suis désolée, mais on a vu ce qui est arrivé à Hamid et sa famille par la faute des choses à Oudoubillah qui habitent cette maison. Et de là, l'agent immobilier n'était pas prêt. Quand il va voir que l'homme fortuné va se mettre à rigoler, tellement il a rigolé, il est tombé comme ça sur le fauteuil, il tenait son ventre, il avait mal, il était pété de rire. Et l'agent immobilier, il le regarde, il est surpris. Et c'est quoi cette attitude? C'est quoi ce comportement? Pourquoi le mec, il est si avachi comme ça, rigoler? Mais là, l'agent immobilier, miskin, il savait pas. Eh bien, ce qu'il allait entendre de la bouche de cet homme fortuné, de cet homme de soi-disant de valeur, qui est un homme de bien, qui faisait que du réel, qui était ci, qui était ça, il va être miskin, choqué. L'homme fortuné se redresse sur le fauteuil et il lui dit, ah, mais non, tu fais partie des gens qui ont vraiment cru à ces histoires, à ces sornettes. Saddak tel kalam hada hatta ant, même toi là t'as cru à ça. Mais non, maintenant il n'y a rien de tout ça. C'est moi, c'est moi qui ai fait monter la mayonnaise et qui ai fait monter ces rumeurs, Isha'at, ces rumeurs. C'est moi qui ai tout inventé. Mais il n'y a rien du tout, la maison elle est totalement normale et tout ça. Non, c'est moi qui ai fait tout ça en fait, autour de la maison de Hamid. Donc l'agent immobilier, il était choqué. Mais il n'est pas encore trop choqué, donc l'homme fortuné, il va lui rajouter d'autres informations. La révélation que cet homme a fait à l'agent immobilier, il n'était pas du tout prêt. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit, écoute, alors comme je vous l'ai dit, tu as vraiment cru à ça, patati patata. Il lui dit, c'est moi qui ai fait, en fait, Seher Aswad, c'est moi qui ai fait à Hamid de la magie noire. Mais je n'ai pas fait qu'à Hamid. J'ai fait à Hamid, j'ai fait à sa femme et j'ai fait à ses enfants. Je lui ai ramené un grand sorcier. Et je lui ai dit qu'il fasse ci, tac, 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 pour détruire, décimer cette famille. Depuis le jour, en fait, j'ai eu la rage de lui. Concernant, eh bien, le jour du jugement, il n'a pas supporté, en fait, le mec que Hamid ait gagné le procès. C'est une affaire de procès de quelques mètres, de quelques bouts de terrain. Le mec, il a décimé, s'il vous plaît, dites-vous, des enfants innocents, une femme innocente, un homme innocent qui demandait rien, juste à vivre normalement. Donc, l'agent immobilier était choqué. Et il lui dit donc que j'ai payé ce sorcier-là en plus. Oh là là, je lui ai payé une fortune. Mais les gens qui me l'ont conseillé m'ont dit que voilà, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires au plus profond de toi, ce mec-là, il peut te l'apporter, il peut te concrétiser. Et tu, genre, en gros, bah, si tu lui dis de faire du mal à un tel, eh ben, il y aura vraiment un mal qui va se faire. Donc, il a dit, bah, il a ramené ce sorcier. Et il continue dans ses autres révélations en disant, et moi, mon but, de toute manière, depuis le départ, depuis le début, depuis que voilà, je me suis installée dans cette ville-là, je convoitais son terrain et sa maison parce que j'avais envie d'agrandir, eh bien, chez moi. Et
Genre, en gros, bah, parce que là, ça va être choquant. En gros, je savais que cette maison, je l'acquérirais à un moindre prix. Soit c'était lui qui allait venir en pleurant, genre me demander de l'acheter, et même si c'est un petit prix, ou soit bah, que je l'allais l'acheter moi-même à un prix moindre. Et le fait qu'il y ait eu toutes ces rumeurs sur la maison, bah la maison, en fait, son prix, sa valeur, elle a baissé, 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 baissé. Et maintenant, bah, je veux l'acheter. Et j'avais juré que moi, celui, genre, en gros, qui s'attaque à moi, il n'est pas prêt. Et fini en disant, eh bien, voilà, c'est moi qui étais le grand lanceur de ces rumeurs, c'est moi qui a décimé sa famille, c'est moi ci, c'est moi ça. Et tous les gens, dont toi y compris, je ne savais pas que tu croyais à ces histoires-là, eh bien, qui ait fait en sorte que vous soyez mes marionnettes et que vous alliez colporter, eh bien, ces rumeurs contre Hamid, contre sa maison, contre sa famille, etc. Et mon plan, eh bien, tu ne peux que m'applaudir puisque celui-ci a marché avec brio. Donc, l'agent immobilier, il était choqué. Et maintenant, je peux vous dire que celui qui nous raconte cette story time, eh bien, c'est l'agent immobilier. Donc, l'agent immobilier, face aux révélations de cet homme fortuné, face à sa détermination, face à son non-remords, eh ben, il était perdu, le pauvre, et il a commencé à paniquer. Désolée de vous couper, je fais le montage, mais j'ai oublié une information qui est presque capitale quand même. C'est qu'en fait, le sorcier qu'il a payé, eh bien, cet homme fortuné, il faut savoir qu'en fait, il avait genre des djinns qui allument le feu. C'est une catégorie de chétan qui voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé malheureusement le jour où il y a eu le feu dans la chambre des enfants. En fait, les sorciers avaient envoyé un génie faire ça. Je vous ai dit, l'agent immobilier, il était tellement pas prêt parce que l'agent immobilier, il dit, wesh, tout le monde, ce mec le prend en exemple. Tout le monde, quand ils sont dans des galères, ils vont lui demander de l'aide à lui et tout parce que Zama, il a deux masques en fait. Il a un visage d'ange et il a un visage vraiment démoniaque. Et donc, face à ce visage démoniaque-là, l'agent immobilier, il a eu peur. Donc, quand l'homme fortuné lui a dit, tu vas appeler et tu vas aller voir un tel et tu vas lui dire que je veux acheter la maison, ben, il a eu peur de dire non ou de dire, attends, je vais faire la publicité, genre, je vais dire et tout. Miskine, il est parti chez le frère, eh bien, de Hamid, du défunt Hamid, l'Ayrahmo, paix à son âme, et lui a dit, voilà, il y a le Chir, parce qu'il l'appelait Chir, s'il vous plaît, un tel, eh bien, qui veut acheter la maison de ton frère, paix à son âme, l'Ayrahmo. Donc, le frère de Hamid, quand il a entendu ça, il était tellement soulagé, il voulait tellement enlever, voilà, ce bien de son cœur. Donc, je vous disais dit, il était tellement choqué, le frère Hamid, parce que lui, il avait totalement perdu espoir que le prix auquel l'homme fortuné a dit qu'il allait acheter la maison, c'était, il dit, l'agent immobilier, le prix en 10 fois moins, quoi. C'était pas du tout la vraie valeur. C'était pas du tout ça la valeur. Mais que, miskine, quand même, le frère Hamid, il a pris cet argent. Et voilà, la maison, elle a été vendue. Bon, de là. Donc, une fois que l'homme fortuné, il a eu tout ce qu'il convoitait, subhanallah, il avait tout, Dieu m'a tout donné, richesse, santé, réussite et tout, mais voilà, l'envie, lui, il a mangé. Sur quoi il l'a hagar? En plus, le mec, il l'a envié, alors que Hamid, le pauvre, d'ailleurs, père son âme avec sa famille, ils avaient pas grand, ils avaient rien, en vérité, on va dire, ils avaient rien, voilà. Et quand même, il s'est fait envier. Ça fait peur. Les gens, ils n'ont pas de limite. Donc, une fois qu'il a eu ce qu'il avait envie d'avoir, il a ramené le bulldozer, il a rasé la maison comme si Hamid et sa famille, ses enfants, ils n'ont jamais existé. Après, il s'est fait un grand diwan, des grands salons là, pour recevoir ses invités, ses amis, faire des fêtes, faire des si. Et c'est comme si Hamid et sa famille et tout, ils n'avaient jamais vécu là ou qu'ils n'avaient jamais existé. Et les gens, ils ont oublié l'histoire. Sauf que si les gens, ils ont oublié l'histoire, je vous disais, sauf que si les gens ils ont oublié l'histoire, Firab Mayensa. Mais il y a un Dieu là-haut et Dieu là-haut, il n'oublie pas. Alors, quelques années après, vous allez voir ce qui va arriver, eh bien, à cet homme fortuné.
Donc, la première des choses, en fait, qui va arriver à cet homme fortuné, c'est quoi? C'est que un jour, lui, il est hors de tasse avec deux de ses fils pour des raisons d'affaires, etc. Et était resté dans la villa qui était à côté de la maison de Hamid, eh bien, deux de ses femmes, parce qu'il avait deux femmes, plus quatre filles, plus deux petits garçons qu'il avait. Ils étaient restés là-bas, et comme c'était un peu chaud, eh bien, dans la région, histoire de guerre et tout, ça s'envoyait des bombes de tous les côtés, va tomber une roquette en plein dans la maison, eh bien, de l'homme fortuné, en plein dans la villa, et la villa, elle va juste exploser. Et ceux qui étaient à l'intérieur, eh ben, sont tous morts. Paix à leur âme, parce qu'on ne sait pas s'ils étaient aussi mauvais que cet homme fortuné. Mais en tout cas, les pauvres, ils ont tous été, on va dire, foudroyés, exterminés par cette bombe. Parce qu'une fois que c'est tombé et que ça a explosé, bah, ça, c'était foutu. Tout le monde était décimé. Donc, les gens, ils les ont mis vite au courant concernant l'homme fortuné avec ses fils. Donc, les voilà sur le retour. Et quand ils sont arrivés devant la maison, mais surtout quand l'homme fortuné est arrivé devant sa villa qu'il avait bâtie, avec laquelle il croyait que c'était le plus fort du monde, qu'il se prenait pour un pharaon et tout ça, moi. Quand il est arrivé, il a vu tout ça, ce spectacle, sa maison qui était complètement explosée, avec les flammes encore, les gens devant, les pompiers, les ci, les ça, et qu'il a commencé à voir que voilà, les urgentistes, les ambulanciers, ils commencent à sortir les corps de ses femmes, de ses enfants, de ses filles, tout. Il était tellement choqué qu'il s'est mis à partir. Déjà, il a pété un câble, à partir dans la folie. Et surtout à délier sa langue, tout en pleurant, à se lamenter et en commençant à dire quoi? L'agent immobilier, il nous dit, comme lui, il était sur place, il a commencé à voir que l'homme fortuné, il a commencé à faire comme le jour où Hamid Miskin, il pleurait avec sa femme devant, qu'il y avait les flammes dans la maison, c'est-à-dire qu'il tapait tac, 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 tac sur son visage en disant ya wali, ya wali, ya wali, ya ayali, ya umrati, ya ta, ya waladi. Genre, en gros, il était pas bien et il disait ma femme, mes enfants, mes si. Et Hamid, il l'avait fait, lui. Il l'avait fait. Et sûrement qu'il le regardait chez lui en rigolant quand il voyait la détresse de Hamid. Et maintenant, même si c'était des années, hein, après, il s'est retrouvé dans la même posture, dans le même quartier, devant la même scène que Hamid et sa femme, Allah yarhamhum, paix à leur âme, à tous les deux, ils ont vécu. Vous disiez, il pleurait et il parlait aussi en même temps. Et il va délier sa langue devant tous les gens, devant tous les gens qui le prennent pour quelqu'un de vraiment bien et tout, à dire, c'est moi qui ai fait en sorte que ça arrive aussi à ma famille. Genre, en gros, ce qui arrive, en vérité, je suis triste et tout, mais je suis pas étonnée, vu que moi-même, j'étais la cause de la perte, eh bien, de la famille de Hamid, de la perte de sa femme, de la perte de ses enfants. C'est moi, je lui ai fait du suhur. Il disait ça à haute voix, s'il vous plaît. C'est moi qui lui ai fait du suhur. C'est moi qui ai annoncé des rumeurs. C'est moi ci, c'est moi ça. Et Dieu, aujourd'hui, il s'est vengé de moi pour Hamid. C'est Dieu qui s'est vengé de moi pour Hamid, pour le mal et la perte et la douleur et la hagra, genre le fait que je l'ai opprimé. Et ben, c'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, et ben, voilà ce qui m'a envoyé. Donc, il est parti tellement après dans une hystérie, il pleurait et tout, et ben que après il avait plus de force dans son corps, l'homme fortuné. Et donc, tac, il s'est étalé, il s'est évanoui. Donc, ses deux fils qui lui restaient, qui étaient avec lui en voyage, et ben ils l'ont pris et l'ont ramené à l'hôpital Saïd à Taz. Et il est resté combien de temps là-bas? Il est resté un mois. Mais durant tout ce mois-là où il est à l'hôpital, il faisait que de pleurer, que de pleurer, que de pleurer, et de dire que c'est de sa faute si sa famille aujourd'hui n'existe plus, c'est de sa faute ci, c'est de sa faute ça. Et genre, il pleurait comme ça pendant tout le mois où il était hospitalisé. Il va se passer un problème, c'est qu'en fait, la guerre, bah, qu'il y avait dans leur région, on va commencer à s'approcher, et à s'approcher dangereusement de jour en jour.
vers l'hôpital. Et donc, les médecins, la direction de l'hôpital et tout, ils ont pris la décision de quoi? La décision, bah, il faut mettre les patients et tout à l'abri. Il faut s'éloigner. Donc, ils vont commencer à les dispatcher dans des différents hôpitaux. Et cet hôpital, il faut qu'il ferme parce que, voilà, il y a des trop gros risques et tout ça. S'il tombe aux mains de mercenaires et tout. Donc, voilà, il fallait fermer l'hôpital, en gros. Donc, les deux garçons de l'infortuné, ils ont décidé, en fait, de partir. Ils avaient des membres de leur famille dans une région qui est beaucoup plus éloignée que là où ils étaient. Et ils se disaient en même temps, peut-être que le père aussi, en quittant cette ville, eh ben, il va se remettre de jour en jour, eh bien, de la perte qu'il avait subie, de ce malheur et tout. Et que leur père, en fait, allait retrouver une pleine forme et une pleine santé. Sauf qu'ils savaient pas c'était quoi qui était programmé. Donc, les deux fils de l'infortuné, ils vont sortir le père de l'hôpital et ils commencent à aller bah, là où je vous ai dit, genre la région éloignée et tout. Sauf que autour, dans la ville, il y a de l'agitation partout. Les sirènes elles résonnent qui préviennent qu'il y a des bombes qui vont tomber. Mettez-vous aux abris, tatati, tatata. Et ça commence vraiment à exploser, mais c'est encore loin pour eux, selon leur tête, quoi. Genre, ils ont encore genre des chances de s'en sortir, l'homme fortuné et ses deux fils, quand tout d'un coup, sans crier garde, va tomber tout droit dans la voiture et exploser une roquette. Comme ce qui est arrivé dans la villa. Et ils vont mourir comme ça, les trois, sur le coup. Là, il dit, quand il a appris la mort... l'agent immobilier de l'homme fortuné, il a dit, c'est là que j'étais convaincu, eh bien, que Dieu, les grands pécheurs comme ça, là, qui font des péchés comme ça, eh bien, ils sont punis sur terre avant d'être punis aussi dans l'au-delà, qui est encore très, très pire. Mais aussi, il dit que Dieu, en gros, bah, il est toujours du camp des opprimés contre les oppresseurs. Et que quoi qu'il, tu peux courir devant des années. Si t'as fait du mal, sache qu'un jour, eh ben, quand ça va revenir le boomerang dans ta face, tu vas même pas être prêt. Puisque l'infortuné, lui, était pas du tout prêt à ça. Il était pas prêt à voir sa famille être décimée, ni à se voir lui-même être décimé. Donc, à partir d'ici, l'agent immobilier, il dit quelques mois après, le calme un peu était revenu. Et donc, il commençait, miskine, à sortir ça, à dégager de ça de lui, en fait, cette confidence que lui avait fait l'homme fortuné concernant Hamid, le pauvre, avec sa famille. Et il disait aux gens, hein, c'est lui, en fait, qui a fait en sorte que Hamid, sa maison, on croit tous qu'il y avait des genoux dedans, des esprits à Adoubila et tout, alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est lui qui lui a fait de la sorcellerie noire, Sahar Aswad, qui lui a fait de la magie noire. C'est lui ci, c'est lui ça. Et donc, les gens, ils ont commencé tous à voir le masque de cet homme fortuné tomber et à dire qu'en vérité, bah, ce qui lui est arrivé, c'était lui qui l'avait cherché. C'était lui qui avait fait tout pour que voilà, sa famille elle soit décimée, comme il a décimé la famille de Hamid. Et que lui, il ait une fin comme ça. Et donc, les gens, les pauvres, ben, ils se sont sentis trahis. Ils se sont sentis bernés. Ils ont eu mal au cœur. Puisque les pauvres, ils faisaient que des invocations, on va dire, dans le bon sens, quoi. Alors, les gens, ça les a tellement énervés, ces tromperies-là. Ils avaient tellement mal au cœur pour Hamid, qui était toujours quelqu'un de gentil et tout, avec sa famille et tout. Ce qu'ils avaient subi, qu'ils commençaient à dire à Dieu, mais vraiment, mais fais-lui payer dans l'au-delà, bien comme il faut, dans sa tombe, bien comme il faut, par rapport à tout ça, par rapport à cette tromperie. Donc, il dit, l'agent immobilier, bah, les gens, ils ont été vraiment tristes. Ils faisaient que maintenant des bonnes invocations et des doigts que pour Hamid et sa femme et ses enfants, les pauvres. Et il demandait à Dieu de bien s'occuper du cas de l'homme fortuné. Concernant la villa, avec quoi il se l'a pété, l'homme fortuné. Jusqu'à aujourd'hui, il a dit l'agent immobilier, c'est devenu un taudis. Or, la maison, elle est irrécupérable, quoi. Et de toute manière, bah, les gens de la famille de l'homme fortuné qui pouvaient la prendre en héritage et tout, il y a tout le monde, quand ils ont su ce qu'il avait fait, il n'y a personne qui a voulu. Même sa propre famille, ils étaient choqués, ils lui ont fait des invocations dans le mauvais sens, quoi. Pour dire, mais vraiment, lui, il était sans limite. Et vous vous rendez compte, la maison, personne n'a voulu la prendre. Tout le monde a tourné le dos. Pour eux, c'est comme s'il n'avait jamais existé et demande à Dieu, eh bien, de se venger pour Hamid et sa famille.
par rapport, c'est leur frère, hein, mais l'homme fortuné, c'est leur frère, mais ça les a tellement choqués et fait mal au cœur que, en gros, bah, dans leur tête, tout ce qu'il a eu, il le mérite. Vraiment, cette histoire, elle fait mal au cœur, mais elle va en réveiller plus d'un et d'une. Et vraiment, c'est trop grave. Hamid, il avait rien demandé. Hamid, il cherchait rien. Hamid, il était bien, même s'il était pauvre. Il cherchait pas à s'enrichir, il cherchait rien du tout, il cherchait que le bonheur de sa famille, de ses enfants, de sa femme, aller faire manger, alhamdoulilah, que dans avec le halal, à faire que des bonnes choses, quoi. Et l'autre, il l'a tmaï, moi j'arrive pas. Tatou, ibadallah, tatou, Dieu t'a donné, dis alhamdoulilah, merci, mais non, tu veux aussi ce que l'autre il a, alors qu'il est moindre que lui. Non, c'est grave. Donc moi, je veux qu'Inch'Allah, Hamid, sa femme et ses enfants, ils soient tous au paradis, qu'ils soient bien et que cet homme-là, là, le jour de son jugement, l'homme fortuné, que ce soit vraiment... qu'ils prennent vraiment la meilleure uqoba, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment la meilleure punition possible parce que vraiment, cette famille, les pauvres, ils n'ont rien demandé. Les enfants, ils avaient 12, 8 ans et 6 ans. Il pouvait avoir un avenir, il pouvait truquer, franchement, cette histoire, je me suis dit, non, cette histoire-là, je ne peux pas rester comme ça. Même si je boudais, bah, je ne boude plus. Il faut que je la partage, parce qu'elle est vraiment forte, elle est vraiment poignante. Et vraiment, moi, je suis choquée, hein. Je suis choquée de l'attitude de certains qui défoncent, qui font ça, tout en sachant que c'est mort pour l'après-vie. Ils font ça. En toute conscience, en tout état de cause. Et le mec, il rigolait, il était content. Ouais, c'est moi, j'ai fait les rumeurs. Ouais, j'ai ramené un grand sorcier. Ouais, je l'ai payé. Ouais, je l'ai ici. Il n'a jamais énoncé ou eu du remords que quand ? Que lorsque Rabbi, que lorsque Dieu, que lorsque le bon Dieu lui a fait goûter al-mar, ce que la chose amère, eh bien, que Hamid Miskin l'a goûté. Il n'y a que là, après, que ça lui a fait comme traf dans la tronche et qu'il est revenu à lui, qu'il s'est dit, et tout de suite, il a compris. Il n'a pas bugué, il n'a pas cherché, ouais, c'est un coup du hasard ou tout. Il savait que si sa maison devant lui, sa villa, là, son palais était en train de brûler avec sa famille à l'intérieur, c'est parce que lui-même, il avait fait ça il y a quelques années, 2 ans avant, là, à Hamid, avec sa famille. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette. Pour cette nouvelle story time, sorcellerie. J'ai fini cette vidéo. Eh oh, eh oh, eh oh, eh. Cappuccino, cappuccinette. J'espère que cette story time sorcellerie vous aura plu, mais j'espère, Inch'Allah, que cette story time va viser des gens. Il y a des gens là, je sais de qui je parle. Voilà ce qui vous attend si vous arrêtez pas. Vous pourrez pas dire ouais, mais on savait pas, ouais, mais nanana. Alors, moi, mais toutes les histoires que je vous fais, c'est un peu des formes de rappel, des petites piqûres de... Arrêtez, wesh. Tant qu'il est temps. Parce que regardez comment ça a rattrapé la veste de cet infortuné. Il a eu le temps de rien faire, ni de se repentir. Il avait 2 ans pour se repentir. Il a eu 2 ans pour se repentir, pour émettre des regrets, pour émettre des remords. Mais il a voulu rester... Le Kibriel, parce que pour lui, peut-être avec sa fortune et tout, il était immortel. Et pff, la mort, c'est loin. Oh, et c'est vrai que ça a attrapé sa veste d'un coup. Donc, ceux-là qui font ça, qui disent ouais, c'est rien, on a le temps, on ira faire. Voilà, une fois, j'avais un commentaire, j'étais obligée de le masquer pour pas choquer, parce que moi j'ai été choquée. D'une qui a dit ouais, c'est pas grave, moi je ferai toujours de la sorcellerie et après j'irai à la Mecque. Ça, répondez-lui dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à répondre à ce commentaire de cette personne qui a dit qu'en gros, elle fera de la sorcellerie, après elle ira à la Mecque et que Dieu lui pardonnera. Qui te dit que tu vas avoir le temps d'y aller, Habiba Diali, ma chérie? Qui te dit que tu vas avoir le temps? Eh, mais les gens sont malades. Bref, on
dans tous les cas, si vous avez regardé cette story time sorcellerie, je suis dépassée. Eh bien, je vous invite à me liker, 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 liker. Il n'y a pas un bug. C'est moi, je répète. À mettre mon petit like, à vous abonner, à partager cette histoire, à parler de cette histoire autour de vous. Comme ça, vous faites des petites piqûres de rappel. Si vous avez des gens, voilà, que vous soupçonnez. Bon, moi, je soupçonne avec preuve. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça, quoi. Et je vous invite aussi à venir me suivre, et bien sur TikTok, sur Snapchat et sur Instagram. Et je le dis et je le répète, je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. Donc voilà, en tous les cas, bon, bah, j'ai fini de bouder. J'ai fini de bouder. Et, mais je peux rebouder, hein. Je peux rebouder fort, même. Ok? Bon, pour 2 minutes, mais quand même, je peux rebouder. Je vous fais de gros bisous, mes cappuccinos, cappuccinettes, et je vous dis à très très vite. Je vais vous faire, Inch'Allah, un montage. Bon, je sais pas s'il y aura des images et tout, la vérité, puisque j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pris énormément de retard sur mes machines, sur mes à laver et tout. Il faut que je le fasse, Inch'Allah. Donc voilà, je vais vous faire, Inch'Allah, ce montage. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo au plus vite. Bah, et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas mon like, la forceuse est de retour, la drama queen. Et de recours, et maintenant vous savez aussi que dans mon caractère je suis une boudeuse et que je boude, voilà. Mais je peux pas vous bouder longtemps, quoi. Je peux vous bouder à 1 heure, 2 heures, 2 minutes, voilà. Donc gros bisous à vous, et ne spoilez pas cette histoire surtout, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Bisous.